C'est un peu...
La personne qui est exprimée pour filmer dans la nature. De sélection, non? Ah bah oui.
expliquer comment ils sont faits pour tester dans la terre. Ils sont à chercher là pour la arme dans une rameur. Et ils avaient dit, le chercheur, le donner. C'est la marque qui ne fait pas les passés qui veut recommencer son essai. Il y a ce seul pouvoir de s'assurer quelle est la remarque que les passés. Oh, c'est pas possible! C'est pas possible, je vais essayer de les voir s'il passe. Oh, c'est pas possible! Yeah!
Fanny Becker, avec la douille réjouie qui a tout la tête, 1,5. Thank you.
l'Isperale e l'Ecatè a tutti i due di Genio. Perché l'Isperale e l'Ecatè a tutti i due di Genio. Allora, per tutti i due di Genio, se mi avete fatto, mi avete fatto il mio ritmo, e mi avete fatto il se tu non ci metti la lima, se la nostra, o quello che ci metti, se la nostra.
75 donc pour Starlight Express. Thank you.
Fred sur Fox. Bravo. Deuxième, Ryan Armistead sur Desperate Man. La catégorie modifiée, la catégorie super spec ou super standard, comme on veut, jusqu'à 4 turbos en série. Merci quand même. Non, là je plaisante pas. Non, c'est vrai. Alors, pour vous que ce deuxième drapeau vert dans quelques secondes, c'est...
champion d'Europe ici même à Berlin en 92. Voici Hans Schweiger sur Rowdy. C'est un cas international là. Ce n'est pas. Non, plus exactement, c'est un international, ce n'est pas encore un cas. Son caméscope dans la...
Là, tout est monté en hypermax, 4 turbos. Si Peter Clark, de cette grosse relais qui tourne à 6000 tours, il est obligé d'avoir une injection d'eau pour refroidir les têtes de piston. Sinon, tout casse aussitôt. Enfin non, ça casse même pas, ça casse, mais ça fond surtout. Attention, raid alerte, alerte rouge pour Peter Clark.
Megapower, c'est Megapower, Chris Terran. Alors pour se rappeler si c'est Chris Terran ou Pekker Lévy, il y en a un qui a une côte rouge, c'est... Second essai. Comme quoi, c'est pas évident, la piste qu'on pensait qu'on aurait pu se modifier, en fait, pas du tout. Comme ça, et en signalant par bon, et bien le résultat c'est qu'il s'est arrêté à peu près à 10 cm d'un commissaire. Attention, bien apparemment, Pekker Lévy n'arrive pas à décoller la remorque non plus. Apparemment, il y a quand même un problème parce que là, les roues n'ont pas tourné. C'est quand même plus difficile quand les roues tournent pas. Magasinier, enfin, je sais pas quoi. Toujours est-il que... Eh bien, Pekker Lévy, on le salue. Ils ont réveillé aussitôt toute la haute stratégie là-bas. Danemark. Blue Power du Danemark.
Blue Power piloté par Ben qui repart dans le parc Koa. J'espère que c'est pas un énorme problème. Blue Power qui fait un bruit spécial quand même, vous le voyez. Eh bien, il avait réalisé 69,65 mètres le premier passage. 69,65 mètres le premier passage. Hein, pour vous tenir de série. Ça devrait être terminé pour cette série. Et on peut briller. Thank you.
Alors là, puis ça va se succéder à une vitesse pas possible. Dans 15 jours. C'est ça le problème, parce qu'il n'y a qu'une seule remorque en France qui est basée vers, qui va rentrer dans le sol, qui va empêcher la progression de l'attelage. Merci.
cas où quelqu'un aurait besoin sur le parking. Merci à vous de rester auprès de vos véhicules.
parce que pas de micro du front de tes gommes pour du temps. Das ist die Pumpenseite, die dann eben dann draufgesetzt wird. Das ist die Anbauseite für den Schlepper. Ja. Die kann jeder nach Belieben aussägen. Ja, aussägen oder ändern. Oder wenn er nach Zeit ein bisschen kernig ist, als bloß eine Bohrung. Das heißt, wenn auf der einen Seite die so reingeht, auf der anderen Seite raus, spült es weg um die Elemente rum. Für die Kühlung ganz gut. Schon, dass die da drauf ist. Außerdem schon gemerkt, jeder Wettbewerb dieses Jahr ist das Transparent dabei. Ne? Mhm. Ghostbuster Fans, Fans Germany. Freut mich auch, wenn ich das irgendwo entdecke. Yeah.
Il a vraiment pas de chance car à la Peter, red alerte. Des pompiers, ne vous affolez pas.
Bottas qui doit développer aux alentours de 15. De fonte ici qui se promène et vous.
Saxo blanche immatriculée 1199 VZ27. Et on va passer à la finale tout de suite, tout de suite. On va essayer de limiter au maximum la casse, mais là-dessus... C'est donc Ghostbuster, notre tracteur Lambda 4. Maintenant c'est le Joker. Qui compte et les panneaux maintenant ne servent que d'indication puisque le pour Lambda 4. Que la Société des courses de Bernay est heureuse de vous aviser des dates de réunion de course pour la saison 1997. C'est... Thank you.
Hearts sur Ghostbuster 2 que Mini Breaker. On l'applaudit, Helmut, bravo. Oui, c'est ça, c'est bien. Le son du moteur Kitzman, normalement, pour la carte de la bagatelle de 114,35 m. Alors Hervé, sur la remorque, tu peux t'accrocher, ça démarre fort. Je rappelle au propriétaire de la voiture immatriculée 1378 R76. C'est la première fois qu'il le met en marche, enfin qu'il le pilote. Hey.
Et je vous demande de l'applaudir, Thierry, bravo! Gérard Percevaux et son copain Claude et Olivier Goujon qui eux modifient ça. C'est un moteur qui à l'origine développe 1200 chevaux, mais tel qu'il est maintenant.
pas mûr là-haut. On l'applaudit, Hervé. Mais, voyez-vous, c'est quand même un... Qu'est-ce qu'on serait bien? C'est mal, là, t'es dans le monde, c'est pas grave. Ouais, il a perdu les mains. Alors, il y a un petit problème pour les quatre, cette manche ne sera pas retenue pour lui, car lorsqu'il s'est arrêté avec la remorque là, il a perdu ses poids. Donc, dans le règlement,
peser son petit trou. Ça aussi, c'est un... Et là, regardez quand même. Vous allez voir la différence. Là, je suis sur la piste. Et là, je suis à bout. Ah, c'était pas mal quand même. C'est que vous avez vu cette masse qui est à l'avant là, la masse blanche, on l'a mise pour la finale, elle pèse 1,650 tonnes. Elle pèse 1,650 tonnes et ça appuie complètement sur l'avant. Qu'il n'est pas du tout satisfait, Peter. Il a le regard des mauvais jours. Donc, pour l'instant, nous avons en tête Terminator 5 avec Steve Dehoff. En seconde position, Fleming Hank. On l'applaudit quand même, Peter. Ah, je suis certain qu'il est déçu parce qu'il s'attendait à...
Alors c'est le plus mauvais classement pour Thunderbird qui prend pour l'instant. Se préparer. Alors je pense pas que le team puisse aller déloger de la première place. Thank you.
parce que avant les vieux ils vont arriver à dire au public c'est bien gentil, mais en fait, donc pour former les jeunes, c'est ce qu'ils font, c'est bien. Il y a toute une équipe de dynamique de jeunes en commission, des invités relativement suivis, et puis après arrêter. Par exemple, les frères Chauvin, ils en sont à leur 8e construction. Donc là, ils arrivent sur les tous les dépôts. Au lieu que ce soit un tour de cerveau, là, c'est un compresseur qui souffle dans le compresseur, puis qui envoie la pression. Alors, Tobias Sorkov, pour le revoir, il va repasser car il y avait du mal à se refaire passer.
propriétaire de la 309 Peugeot immatriculée. La construction de cet engin, elle a 11 ans. Et nous avons donc Olivier Alves dans ce village de la catégorie pick-up. Le voiture fétiche.
François. Et oui, c'est Berti, mais c'est pas Mister Berti qui va arriver. Ils vont pas loin, c'est trop chargé et tout. 98,71 m et apparemment ça vous laisse de marbre. Vous êtes allez... non? Non, ça vous donne pas envie de. Qui leur porte devant. Jésus pourquoi je disais tout quand même. Alors, une tout pour le faire par monsieur le. Premier ministre qui vient de l'église. Par monsieur Lebrun, conseiller régional de Normandie. Ah, c'est ça, tout le monde qui est venu à la suite.
Il va avoir 16 de vitesse. Et ça, alors ça c'est une coupe. Le diplomate de Berlin. Et premier, notre ami H.C. Milton. H.C. Milton, Grande-Bretagne. Des assurances Cannes, c'est ce qui va être introduit par M. Lacroix, qui est président de l'association sans vente de tracteurs poulines. Alors, spécifiez, mon cher président. Non, mais puis il y en a un petit mot pour le public qui a été dans hier soir, c'est pas dit pour faire quelque chose. Oui, hier soir, Jean-Philippe Leroyer de préparer son engin. Jean-Philippe Leroyer doit préparer son engin, s'il vous plaît. Je dirais que ma voix est vraiment spéciale.
Kaiser.
raquette, vous ne la reverrez sûrement que l'année prochaine. Ouais, mais il y a des trucs.